Dernière étape aujourd'hui. Et 150 bornes à finir. Je sens plus mes jambes. J'ai les courbatures du premier jour qui arrivent enfin. Et là, je pense que ça va être très compliqué. Mais bon, je sais que c'est à l'arrivée. On sera bien. J'ai envie de prendre une vraie douche. Et j'ai envie de dormir correctement, j'en ai marre. Je suis content que ça se termine. Moi, j'ai pas besoin de trucs très longs quand même. Allez, on se lève, on remballe et on va bouffer avec la petite boulangère. Rien de mieux que pour commencer, c'est un petit déjeuner correct. Je me suis déjà enfilé des petits macros, la banane, et déjà 7h du mat. Ah, le plus dur quand on part, c'est de réchauffer tous les muscles. Parce que j'ai tellement mal au cul. Mon corps, il se contracte tout seul. Comme si mon cul il faisait tout pour pas s'asseoir en fait. Donc ça se contracte dans les jambes partout. Et les genoux sont tout rincés. Il faut vraiment faire chauffer le liquide synovial là parce que il y a tout qui est rouillé là. Bon, ce matin c'est compliqué. Que de la ligne droite, le premier coup. J'attends tout ça, c'est de manger la sauce dans la gueule là. Ouais, le réveil commence bien. Hein. Une bonne pluie pour se rincer de tous ses péchés. J'ai 15 km pour ce matin. Mon cul, c'est tout simplement impossible. Je me suis bricolé un petit truc là. Avec cette magnifique selle rembourrée fait maison. Un petit tour dans la Mayenne. Un peu frais encore ce matin. Et hop là! Dis bonjour à la marée-chaussée! Et tu pousses! Je ne veux pas t'arrêter! Et tu tapes! Mais oui, arrêtons de clocher enfin! Laissons la nature reprendre ses droits! On a fait les 40 km. Mais j'ai toujours la même ligne droite, bordel! Ça monte, ça descend, ça monte! Ah, ça fait même pas 2 heures que je pédale, j'en ai marre! Allez, go, 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 go! Bonjour. Ah, les cyclistes, ils sont pas tout jeunes hein, ici. Ils carburent en tout cas. Eux. S'il y a bien un truc qui aide à tenir, c'est les petits cafés. Les petits cafés aux petites étapes. Ça requinque de ouf. Donc ça c'est la petite pause, il y a une putain d'averse là. Il reste plus que 8 villes et on aura fini. Et après on repart. Comme ça on charge le téléphone et toutes les batteries. Allez, let's go. On va pas le choix, hein. On reprend la route ou la pluie. J'espère que c'est qu'une averse. J'ai l'impression qu'elle dure un peu longtemps cette averse quand même. Il reste 100 bornes, soit 6 heures, si je fais du 20 km/h. Là, avec la pluie, le vent, à mon avis, je vais être un peu plus lent. Et là, il faut se servir de l'effet du café. Pousse, putain! Pousse, tous ces gens! Pousse, bordel! Allez, ma danseuse! Envole-toi! Envole-toi et pédale! Ne pose pas de questions! C'est que du vent, c'est que de la pluie! Sa mère, faut du jus, faut du jus! C'est pas le temps de merde! Sa mère la. Ah! Papa, j'arrive!
Bon, on le voit sans doute pas à la caméra, mais les moments les plus durs, en général, je les filme pas. Hein. Je préfère filmer les descentes, c'est le moment où je peux profiter un peu. Parce que putain, j'en chie. Hein. Je pensais pas que la dernière étape allait être aussi physique. Tout ça, c'est dans la tête, Jack! C'est dans la tête! On va faire une pause, j'ai la dalle, il faut absolument qu'il ne mange rien. On se rapproche, on se rapproche. Je demande plus de vent s'il vous plaît, de face surtout, de face. Bon voilà, on a fait les 100 km et ça va faire 20 minutes qu'il y a un truc qui bip. C'est mon GPS qui est dans la poche arrière de ma sacoche. J'ai pas envie de m'arrêter pour l'éteindre. Donc je vais jouer contre lui. C'est à celui qui craquera le premier. Qui aille se faire enculer. Moi je pédale. Moi je pédale. Il m'aura pas. Non. Trois petites heures, c'est quoi? Trois petites heures dans une ville? Trois petites heures avec ce bip. Sa mère, ça s'arrêtera jamais. Je peux pas m'arrêter en plein milieu, en plus c'est mort. J'ai toujours plus de vent en fait. Mettez-moi plus de vent, j'en veux plus. Oh, je crois qu'il s'est éteint. Oh la pute. Il met des feintes en plus. Ah mais il peut complètement, il va mourir en fait ce GPS de merde. Ah, mais non. Ah, je l'ai attrapé. C'est quoi ce délire? Ah mais c'était un minuteur qui s'activait tout seul. Non mais de le jeter sur la route ce GPS. Et comme on pollue pas. Zéro déchet en vélo, zéro déchet. Ça c'est le point important. Respectons la planète. Bande d'automobilistes dégueulasses! C'est long. C'est très long. C'est roulant. Interminable. Le premier panneau Saint-Nazaire! Il est là! Ah, mes petites guiboles! Vous avez encore du jus ou pas? Ça va me faire passer par la nationale, mais. Putain, mais je peux pas passer par la nationale, c'est n'importe quoi! Ça y est, ça recommence, putain! Ça fait chier en fait, putain de GPS de merde. Je vais même pas longer sur la voie là. Oh, je vais la longer sur la voie moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je vais faire la nationale, nique sa mère. Hein. Même jusqu'à la fin, il me casse les couilles ce GPS. Presque plus de batterie en plus, y'a plus de batterie externe. Ça fait chier. Je vais m'ajouter combien de temps encore là, je vais partir vers où là. Technologie, on peut compter sur rien du tout là. Déjà je me tape des routes réglementées là, je suis sur une putain de nationale. Putain, je vais tout faire à la main là, ça m'énerve. Ah, chier là. Attends-moi, j'arrive. Oh, il fait du 25. Je devrais le suivre. J'arrive. Attends-moi, ma couille. Je suis pas constant. On reste focus. Allez, filles, vous êtes chaudes? Oui. Toujours du jus dedans. Est-ce que vous sentez ça? C'est l'air de la mer. Les derniers 20 km. Avec un GPS qui a pas arrêté de merder et qui affiche plus de 10% de batterie. Donc faut vraiment que je me grouille, que j'arrête de faire le malin. Parce que sinon je vais juste longer la côte quoi. Puis je finirai bien par tomber chez mon père. Hein. Allez, let's go, les 20 derniers. Les tout petits derniers. Ça sent déjà l'air de la mer. Des pistes cyclables enfin. Merci. C'est qui la merguez là? Hein? La merguez cuite au barbecue.
Je nappe. Il reste plus que 9%, donc après je vais tout faire à la main et avec les panneaux. On verra bien. De la GoPro, il n'y a plus de batterie depuis une heure, je suis à bout des bouts là. Je suis arrivé. Ah, je suis tellement content d'être là. Ah, les 50 derniers kilomètres étaient les pires de ma vie, je crois. Ah. Ouais, et t'as des putains de mollets. Hein. T'as les gastrocnémiens. T'as vu comment ils sont tout énervés. J'ai plus d'eau depuis une heure. Je voulais boire dans une flaque d'eau, il n'y avait aucune flaque d'eau nulle part. Tu sais, parce que j'ai une paille pour boire n'importe où. Ah putain, je suis tellement content. Mais c'est bien ce que t'as fait, mon canard. Alors voilà, la vidéo se termine en espérant que ce périple vous a plu. Effectivement, c'était un réel plaisir pour moi de monter cette vidéo. C'était avant tout un défi physique et psychologique suite à une grosse déception amoureuse. Ça m'a permis de repousser mes limites et de voir un peu plus loin. J'ai aussi roulé pour vous montrer qu'il y a aussi d'autres alternatives à la voiture. Le bilan carbone est ici quasi nul. J'étais vraiment indigné aussi parce qu'on inflige à la faune et la flore tous ces déchets plastiques qui jonchent le sol et ces cadavres d'animaux. C'est d'une tristesse. Agissons à notre niveau, on en est tous capables. Changeons nos habitudes pour en ressortir plus fiers et heureux. Et chaque média doit être utilisé pour diffuser des valeurs propres et responsables et respectueuses de l'environnement. Encore un grand merci pour votre soutien par message, par Snapchat ou Instagram. Ça a été vraiment un grand soutien mental. Et je vous retrouve pour un prochain défi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager et je verrai si l'année prochaine je recommence une aventure aussi belle. En espérant être accompagné pour un prochain défi, bye bye to you, c'était Troutrou.